Eh bien, bonjour les loulous, cette fois-ci je suis avec Richard, il est là, il est présent pour un petit reportage à Pézilla de Conflans dans le Fenouillède, Richard. Tout à fait, donc on part de Pézilla et ça on va faire une petite boucle pour aller jusqu'au col de Kitou. Kitou, oui, exact, qui n'est pas indiqué, mais vous le verrez, quand je vous montrerai le roc de Lansac, hein, c'est sur cette jonction, cette intersection, ce col de Kitou. Là, nous sommes sur la D6, hein, le pont de la D6, qui va se jeter dans la Glie à Ancignan. La petite information fluviale de la randonnée. Et oui, tout est là. Pézilla de Conflans, il faut savoir que c'est entre Feuillens, Tréviac, évidemment, et Ancignan. Voilà, quatre villages limitrophes de Pézilla de Conflans. Bon, je pense que nous avons tout dit pour ce début. Et nous allons aller en espérant que... Attention, j'ai pris le pull au cas où. On ne sait jamais. Évidemment, Nala est là. Tous les ingrédients sont réunis pour une très belle randonnée de 2h30. Et pour 8 à 9 km. Allez, on y va, en attaque. Tu viens, Nala? Ah, voilà. On quitte Pézilla. Enfin, le village. Et on s'en va dans les terres. Là, tu vois là, on va passer à gauche là, on peut pas là. Ouais. Ça, la croix, le balisage. Il y a la croix. C'est bien fait. La belle croix jaune qui nous interdit, enfin qui nous interdit. On recommande de ne pas passer par là. Voilà, exactement. Le balisage jaune. Merci à toi. Promenade des randonnées. Alors, on n'a pas choisi le meilleur jour avec un... pour marcher, mais bon, hein. Il m'a dit qu'il ferait beau, j'ai pris la casquette hein, au cas où. Hein, PO Express, c'est pluie, neige, soleil, vent. On est pas bien là à la météo du moment. Ah ben oui, l'adaptation. Alors regardez là sur ce petit chemin qui sort la noisette. Oh. Du thym, en veux-tu, en voilà. Hein. Ça fait plaisir de sentir, d'humer ces bonnes odeurs, Richard. Tout à fait. Regarde là, le roc de Lansac. Ouais. Là, on va descendre là, on va arriver vers... On va arriver sur Tria. C'est pas mal là-bas. Hein. Oh là, regarde là-bas là. Ancignan. Ouais, j'allais le dire. Sous le pic Vergès. Très belle randonnée. Ouais, à faire. Et nous, on continue en direction de Tria. On va récupérer le GRP du Fenouillède. Balisage, ah, GRP là-bas. Ouais, balisage rouge et jaune. Là, sur un petit sentier en balcon, hein. Sympathique. On va arriver vers Tria là. On voit bien qu'au loin il pleut. Hein. Nous on a de la chance. On voit bien qu'au plus loin que voilà sur Ancignan et au pic Vergès, on n'a pas le même ciel qu'ici. Ouais. Et le roc de Lansac et la tour de Lansac hein, en face. Pareil randonnée que vous pouvez voir sur le forum poexpress.forumgratuit.org. Un petit arc-en-ciel là-bas, Richard. Ouais, mais qui ne verront pas la vidéo, je pense. Ouais, c'est dommage. Mais c'est bon, demi arc-en-ciel. Là, regardez, on arrive dans le village de Tria. Hein, Richard? Tout à fait. Et voilà, à Tria, vous avez deux superbes randonnées que nous avons faites, hein, en passant par Trévillac, une au départ de Trévillac, et une autre au départ d'Ancignan. Vous les verrez encore une fois sur le forum poexpress.forumgratuit.org. Richard, ça te fait rire. Oui, je vais pas dire au revoir. Ah oui.
C'est vrai. Alors, Atria, regardez là-bas ce panorama là, sur les tables d'orientation. Vous avez un point de vue superbe. Et donc voilà, nous arrivons, nous prenons là le GRP, Richard. Nous avons rejoint le GRP, tout à fait, balisage jaune et rouge. Du fenouillade, c'est bien, c'est bien. C'est pas facile tout ça. Et on va revenir sur Pézilla de Conflans. Allez, à tout à l'heure. Là, ça y est, on va abandonner le GRP, Richard. Hein. Tout à fait, qui était sur notre gauche. Voilà, il va filer à gauche en direction de Trévillac. Voilà, et donc on reprend le balisage jaune, promenade des randonnées. On va aller faire une petite montée, là. Ah, si. Un quart d'heure. C'est vrai que ça picote. Voilà, ça guimpouille. Comme dirait l'autre. Mais ça nous permet de nous entraîner pour voilà. Le programme printanier et estival. Qui s'annonce exceptionnel. Tout à fait, donc en printemps et en été. C'est pour ceux qui ne comprennent pas. On ne sait jamais, on sait jamais. Donc là, on entame une mini-descente en direction de Pézilla de Conflans. Voilà, avec Feuillens en face. Et ça sent la fin pour cette randonnée, Richard. Hein. On arrive. C'est ça. On descend doucement sur Pézilla. Et voilà, une belle petite mise en jambe dans le fenouillet aujourd'hui. On se retrouve dans le village. Et donc voilà pour cette randonnée à Pézilla de Conflans, Richard. Tout à fait, dans le fenouillet. Dans le fenouillet, exactement. Entre, de toute façon, on en a parlé hein, au début, entre Feuillens, Trévillac, Fraisse-sur-Nia et en tout cas, voilà, j'espère que vous êtes régalés pour cette petite randonnée, cette petite mise en jambe avant d'attaquer le printemps. Et évidemment, l'itinéraire sur le forum poexpress.gratuit.org, toutes les photos sur poexpress, la route des catalans.com et toutes nos vidéos sur tv4.fr. Voilà les petits loups, on vous dit à très très vite pour de nouvelles aventures et attention car ce qui arrive, va être pas mal. Évidemment, toute cette actualité, soyez au courant sur la page Facebook PO Express, la route des Catalans. Allez, bye bye, à très très vite pour de nouvelles aventures. À très vite. C'est sympa, hein.